Celui que vous avez devant vous ici, est-ce que vous avez entendu qu'il est parti quelque part? Vous avez entendu que j'ai démissionné? Vous avez entendu que quelqu'un m'a manipulé et m'a corrompu pour que je le suive? Non. Les gens qui sont venus chez moi pour essayer de me faire partir quelque part, je leur ai demandé si l'argent qu'ils ont amené peut être des montagnes pour me cacher et cacher ma honte. Je leur ai demandé si les villas qu'ils vont me donner, si les voitures qu'ils vont me donner, j'ai 83 ans cette année, est-ce que je vais partir avec tout ça dans ma tombe? Non! N'acceptez pas ni corruption ni manipulation. Je ne sais pas si je vais partir avec tout ça. Maître Salimba, je le connais très bien. Il y a un homme qui fait France non Andy. Pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, j'ai arrêté le congrès à cause de moi. Mais quand on a repris, tous les journalistes sont venus me gratter. Parce que je n'ai pas accepté ce que certains de mes collègues africains ont eu à me dire. J'ai refusé. Et heureusement d'ailleurs, après notre entrée, celui du Congo, Zaïre, a été immédiatement enlevé. Alors, je vous prie, restez constants. Restez constants. J'ai beaucoup à vous dire. Si vous savez, c'est que moi j'ai été sanctionné, exclu du parti. Mais c'est Sékou Touré même qui est venu reprendre et il a dit que je ferais un meeting à Conakry 2 pour rétablir Salim dans ce côté. Parce que j'avais demandé des choses que je ne me suis pas entendu avec le bureau fédéral. C'est moi qui ai créé AFIA. Demandez à AFIA. C'est moi qui ai créé AFIA. Et la première victoire, c'est moi qui l'ai préparée. Le bureau fédéral n'avait pas un rond. J'ai organisé une kermesse. Et j'ai pu habiller AFIA. Demandez à AFIA. C'est moi qui ai fait la morgue de Donka. Avec un budget de 200 000 francs par an pour un sous-préfet. Tous les sous-préfets ont un budget de 200 000 francs. Là, ça a compté, est venu. Lui-même, Blanche le Comté, il a dit, affectez-moi quelqu'un sur l'axe, Bellevue, quelqu'un qui a des initiatives. Thank you.